Salut à tous, petite vidéo sur Ark Nova, parce qu'on n'en parle pas assez je trouve. Oui, c'est vrai que c'est un jeu dont on n'a pas entendu parler, c'est quoi? C'est vrai. Et du coup, petite vidéo un peu particulière parce que, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est vidéo après 100 parties, cumulé on va dire, on doit en avoir un peu plus en cumulé. En cumulé, mais voilà. Chacun non. Chacun on en a plus de 50 en tout cas, oui, voilà. Donc voilà, on s'est dit qu'il y avait des choses intéressantes à raconter, notamment, on commençait par notre ressenti sur les premières parties par rapport à maintenant. Donc je te laisse peut-être commencer, donc il y a Alice que j'ai invité spécialement pour la vidéo, oui, qui est une grosse joueuse du jeu. Oui, grosse experte Ark Nova. moi Ark Nova, je l'ai pris à SN, j'en avais un petit peu entendu parler en amont. Ouais, t'as hypé plus tôt que moi d'ailleurs. Ouais, j'en avais entendu via les groupes Facebook un petit peu, et via la réputation que c'était un jeu qui était depuis longtemps en développement chez Feuerland, où j'aime beaucoup ce qu'ils font, ouais, globalement. Ouais, j'avais plusieurs potes qui avaient regardé un petit peu, qui avaient dit que ça allait être très chouette, j'avais vu un peu le principe d'action que j'aimais bien. C'était le plus gros buzz des scènes en vrai. C'était le plus gros buzz des scènes, et on a fait la queue pour l'avoir, ouais, vraiment pendant une heure devant le stand avant l'ouverture. voilà, j'étais un peu hypée avant. Première impression du coup en jouant, c'est que c'était très sympa. Le côté développement, un peu à la Terraforming Mars avec plein de cartes à poser, tout ça, ouais, m'a bien plu. Je sais pas si tu parles de tes premières impressions. Ouais, si, mais toi t'as vraiment été excité par le jeu dès le début. Je me rappelle, ouais, en fait, c'est toi qui me l'as fait tester, ouais, avec une merveilleuse partie à 4 dont je me rappellerai toujours, qui a été horrible en fait. J'ai détesté le jeu à 4 sur ma première partie. D'ailleurs, je déteste toujours le jeu à 4, ça a pas changé. C'est un traumatisme, ça. Ouais, et du coup, j'en ai eu une mauvaise impression parce qu'encore une fois, il y a eu beaucoup de références à Terraforming Mars. Et niveau interaction, c'est pas du tout le même type de jeu. Il n'y a pas de plateau commun, ça change tout, il n'y a pas d'objectif, pas de récompense. Moi, Terraforming Mars, je l'ai pas mal joué en tournoi à 4 et après pas mal avec des potes, mais bon, 4 avec Prélude et les autres maps. Et du coup, c'est quand même très différent. Et à 4, voilà, moi ça m'avait vraiment froidi, malgré le fait que voilà, je trouvais les cartes sympas et tout. Puis il y avait le côté à 4, dont 3 personnes qui découvrent, donc qui lisent les, ouais, cartes. C'est ça, c'est ça. Les joueurs étaient pas spécialement rapides à la table, ouais, en plus, l'ambiance était pas folle. Je sais pas de quoi tu parles. Non, mais du coup, c'est vrai que ça faisait un peu chacun était dans ses cartes. Et, ouais, alors moi je suis pas tout à fait d'accord sur le moins d'interaction par rapport au plateau central. Pour moi l'interaction de Terraforming Mars elle est assez peu sur le plateau central en fait. Elle est vraiment plus dans les cartes et dans ce qui va se passer sur le draft. Bah il y a les objectifs, les récompenses. Il y a les objectifs et les récompenses, mais là il y a aussi, ouais, un peu ça quand même dans les projets, ouais, de conservation, ouais. Mais surtout il y a le côté où dans ce Ark Nova, les premières parties, on se concentre sur construire son jeu et on voit moins l'interaction, ouais. Je trouve qu'elle est moins visible, elle est existante, elle est pas... C'est pas le jeu le plus interactif du siècle, hein, mais moi je... Une fois qu'on sait jouer, on joue moins dans son coin. Tant qu'on découvre les cartes et qu'on essaye de les faire comboter entre elles, à 4, on joue. Moi je trouve qu'on joue dans son coin de ouf à 4, même à 3. Donc voilà, on va parler direct des configs de joueurs. Moi, pour moi, c'est toujours un jeu à 2. Et pour le coup, à 2, il est réellement interactif et l'interaction est réellement intéressante, ouais, parce qu'il y a vraiment une course sur le tempo du break. Elle est beaucoup plus choisie en tout c'est cas, ça, vraiment. Et même quand on tu fait balances... l'anti-draft sur les cartes, ouais, pour de vrai. Et quand tu balances un truc à quelqu'un, un constriction token ou un venom, ça a vraiment du sens à deux, parce que c'est vraiment pour le ralentir. Maintenant, pour moi, c'est un peu un jeu de confort, totalement de ma zone de confort, où quand j'ai pas envie de me prendre la tête, même si je déteste ce mot, mais bon, vous voyez... Pour un gros joueur, se prendre la tête, c'est vraiment, je sais pas, barrage, on va dire, ou projet Gaïa. Là, vraiment, il y a toujours un investissement intellectuel qui est très fort. Moi, Ark Nova, c'est un peu mon jeu de reposant, en fait, quoi. Que j'arrive à sortir facilement, je sais qu'il va pas durer trop longtemps, je sais qu'il va être agréable à chaque fois. Tu vois, ouais, ce que je veux dire ? Moi, je vois pas forcément de la même manière. Alors après, je pense qu'on a pas la même manière de vivre les Euroliens, ouais, non plus. Parce que moi-même, dans les jeux, alors ça arrive, les jeux auxquels je m'investis vraiment beaucoup, hein, et je suis investi pendant la partie, il y a des jeux que je trouve difficiles à résoudre sur le moment avec des grosses tensions. C'est vrai que c'est pas le jeu qui a les plus grosses tensions où on est en mode ça arrive à certains moments dans la partie, juste avant le break, mais c'est pas en permanence. Ouais, il y a quand même, ouais, des... Il y a un rythme qui, à la fois, il y a pas trop de temps mort et à la fois, il y a des moments plus cool que d'autres. Ouais. Mais moi j'ai moins ce côté très technique par rapport à toi, à vouloir, ouais, pousser le jeu à fond et à faire toujours mieux. Je joue avec le flow sur plein d'Eurogames, donc moi j'ai cette sensation sur d'autres jeux aussi. Ouais, mais ça pour le coup c'est un jeu qui se joue beaucoup au flow. Parce que voilà, ouais, comme on en parlait avant, on parlait par rapport à la comparaison à Terraforming Mars qui est toujours assez judicieuse, notamment par rapport à la draft. C'est qu'en fait Terraforming Mars il a un équilibre au niveau des cartes qui est sur la puissance des cartes. Il y a clairement des cartes top tier, il y a clairement des cartes que tu dois anti-drafter, que tu dois garder pour toi, selon qui sont moins circonstancielles, alors que là, vraiment, c'est un jeu de flow avec quasi toutes les cartes circonstancielles, ouais, sauf la science de revenu à deux,
qui, si tu la poses tour 2, moi je la trouve vraiment trop insane. Mais encore une fois, il faut avoir les circonstances pour la poser tour 2. Il y a d'autres choses par rapport. Alors, oui, dans les mains moi, de départ. Moi je trouve que c'est la seule carte main de départ qui est vraiment problématique. Dans les mains de départ, avec la main de départ qui va avec, moi je la trouve. Bon, oui, peut-être. Après, moi ça me. Bah, j'ai rarement vu. 6-7 points quand même. Non, mais oui, le revenu. Comparé au reste, tu vois, qui est vraiment pour le coup très. Où t'arrives à créer des circonstances pour jouer à peu près tout le reste. Et ce qui vont, il y a clairement des cartes plus puissantes et tout. Mais ouais, je veux dire, dans mes tirages, j'ai rarement eu en main de départ, c'est là un point de revenu ouais. de. Ouais, moi j'ai déjà eu ça à Broken des parties, honnêtement. Ouais, je veux bien le croire. Mais tu vois, il y a quand même des cartes fortes dans le jeu, typiquement le lion et tout. Je pense à des trucs en tête, quelques sponsors et tout. Mais il y a quand même cet équilibrage très modéré, on va dire. Oui, puis. Les cartes font quelque chose, mais c'est pas autant un jeu de cartes que Terraforming Mars, c'est quand même beaucoup un jeu de planification et de gestion des actions. Et moi, c'est pour ça, moi quand je dis flow, je vois aussi le rythme du jeu. Et en fait, on prévoit ses coups à 2 ou 3 coups, et il y a des moments où on est obligé de planifier 3 actions d'un coup, et des moments où on va un peu jouer en opportuniste, qu'est-ce qu'on peut faire là, est-ce que j'attends le break, est-ce que j'attends pas le break. Finalement, j'avais prévu mon truc à 4 coups, mais là, il se passe quelque chose côté timing auquel je m'attendais pas, qui fait que je suis obligé de modifier mes plans. Et ça, je trouve que ça. Donne un sentiment d'implication dans la partie un peu permanent sans demander un effort permanent. Et puis c'est une course le jeu quand même, mine de rien, il y a un moment où tu commences à arriver à la endgame. Et t'es toujours dans l'enchaînement, t'es toujours dans qu'est-ce qui va se passer le coup d'après. Tout le temps. C'est clair. Pour toi comme pour l'adversaire d'ailleurs. C'est ça. Et pour moi, c'est ce qui fait qu'on décroche pas de la partie du jeu à deux et que t'as l'impression d'être dans un flow continu. À trois aussi, avec 3 joueurs qui connaissent bien les cartes. Ouais. Et c'est exactement la même chose qui fait qu'on décroche un peu à 4 parce que bah, comme on est déjà dans le coup suivant, au moment où on joue son coup. On a envie que ça arrive vite en fait. On a envie que ça arrive vite. Et après, comme on en discutait aussi, il y a ce côté histoire autour du jeu. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de ce jeu, même. En salon avec des potes, à une auberge de jeu au hasard, il y a toujours ce truc, les gens se racontent leur partie en fait. Ah ouais, moi je suis parti sur full prédateur, je posais le lion, ça m'a fait tant de tickets. Il y a ce truc, cette partie historique, quelqu'un a mis la construction à la fin. La fois où sur la diversité d'espèces, je joue un ours malais qui en double animal. C'est assez rare pour un Eurogame, je trouve, ce genre de choses qui s'est mis un peu spontanément. C'est assez fou. Et je sais pas trop à quoi c'est dû pour le coup. Est-ce que c'est la thématique de poser des animaux Je pense que la thématique joue, mais que vraiment c'est aussi le. Le côté très unique des cartes aussi, contrairement à TFL. Le côté très unique des cartes et des spécialités identifiables. En fait, les axes sont identifiables, les actions sont identifiables. Le fait qu'on parte sur 5 actions assez simples qui décrivent 5 axes du jeu. Tout est très identifié dans le jeu. Et puis on a des affinités un peu subjectives aussi. Genre moi j'aime bien les singes, je sais que dès qu'il y a du singe, je vais avoir tendance à avoir envie de le jouer. Je pense que tout le monde a un peu son truc. JC il aime bien le prédateur, tu vois. Enfin, chacun un peu ses. Un peu peut-être, je sais pas. Tu vois, il y a un truc, il y a des cartes qu'on aime bien j'aime jouer. La variété. Pour des raisons non objectives en fait. Pour des raisons de non-optimisation spécialement, tu vois. Bah, moi, ça, je le ressens pas tellement, mais peut-être un peu. Moi en tout cas, je le vis un peu comme ça, quoi. Du coup, la draft. Pourquoi nous on trouve que ça n'a aucun intérêt de drafter sur ce jeu en début de partie. Ouais, alors en fait, moi il y a un côté que j'aime bien dans le jeu, c'est le côté un peu puzzle. J'ai envie de faire ça avant le premier break, comment je m'en sors. J'ai 8 cartes, c'est quoi mon plan de jeu. Et de désigner le plan de jeu parmi 8 cartes, j'adore cet aspect-là. Mais un aspect, pour le coup, ça c'est un aspect que je trouve très solo. De résolution, et je trouve que si on draft, on le perd. Après, moi j'ai jamais essayé de drafter parce que j'en ai vraiment pas envie. Et puis même, au-delà de ça, comme on l'a dit, contrairement à TFM, il y a pas ce côté des cartes vraiment trop fortes par rapport à d'autres. Alors clairement, il y a des cartes que tu préfères avoir en début de partie. Il y a des départs qui sont plus difficiles que d'autres. Un départ sans animal, c'est dur, mais c'est fun. Il y a des gens qui vont trouver ça injuste, mais moi je trouve que sur un équilibrage dans un jeu comme ça, avec quand même une modération de toutes les cartes pour pas avoir d'effet trop overpowered, trop surpuissant, je trouve que du coup le jeu est prévu pour ça. D'ailleurs, il y a même le designer qui a répondu, il a dit une variante de draft éventuelle à mettre et tout, mais il précise quand même bien que ça a été pensé pour que le jeu ne soit pas drafté. Moi je trouve, oui, et nous, il y avait des gens qui étaient partis pour drafter dans mon groupe de joueurs avant, lors des premières parties, et qui à force de jouer se disent finalement ça sert pas. Ça sert à rien, clairement. Et du coup, en parlant de ça, du designer et tout, c'est l'éditeur Sefferland et ça sent quoi. Oui. Pour le coup, on est totalement dans la contre-hype totale du Kickstarter surproduit, surdesigné, avec des mécaniques qui créent un flow de jeu qui n'a pas forcément été réellement pensé, un équilibre pas forcément réellement pensé. Là, on est totalement dans l'inverse, quoi. Ouais, ben clairement, il a été. C'est un jeu qui a vraiment été testé avant d'être sorti et qui a été testé jusqu'au bout. Il n'est pas bancal du tout. Je vois pas quel test ils auraient pu pousser plus que ça, en fait, quoi. Ouais, tu vois et les trucs. Qu'au début, il y a des gens qui ont dit ah, ce truc il marche mal, souvent c'est des erreurs de règles. Forcément des grosses erreurs de règles. Et c'est vrai qu'en fait, les règles sont simples à expliquer, mais il y a plusieurs petits points de règles qui au début paraissent un peu chelous, etc. Et je pense que c'est dû au test.
Et moi, c'est un jeu où ça vaut le coup de relire les règles après quelques parties. De fou, et puis surtout, il y a un espèce de glossaire avec qui est vachement bien avec, fait, ouais, qui est bien fait. Lire en entier un jour ouais, de ta c'est vie, ça. Quoi. Et qui a du coup des petites subtilités qu'il faut aller voir en fait, qui sont importantes quoi. Mais pas avant la première partie. Oui, oui, bien sûr, non, non, c'est clair, c'est clair. Parce qu'en fait, c'est un jeu qui supporte le fait de faire des petites erreurs ouais. de règles. Et qui, pour moi, pareil, a été vraiment pensé pour les plateaux asymétriques. Non pas qu'ils soient plus durs, mais l'équilibre du jeu est vraiment pensé comme ça. On sent que les plateaux symétriques, ils ont été faits pour pas frustrer les joueurs, avec des bonus un peu plus forts. Il y a un ou deux combos avec certaines cartes, certains plateaux qui sont un peu forts. Ouais. J'avais la carte que d'habitude je joue jamais, celle qui permet quand tu places, j'oublie ce que c'est un sponsor, quand tu te places sur un bonus de bord, tu peux répliquer un bonus ah de oui, milieu. Oui, celui-là il est. Ouais. Je l'avais avec le truc qui donnait des partenariats. Ouais. J'ai fait 4 partenariats en bonus de placement. C'est vrai que c'était ça, c'est un fort. Peu monstrueux. Mais même, il y a le sponsor qui te permet de poser partout, y compris sur les lacs, et qui, sur l'enclos, qui double les places, c'est insane. Voilà. Après, moi, pour moi, le seul problème, toi, t'es pas d'accord, mais du coup, on a parlé du sponsor, mais pour moi, c'est le plateau lac. Des plateaux asymétriques qui donnent des 2-2 partout, tu peux rejouer un tour. Moi je le trouve vraiment trop fort entre joueurs expérimentés par rapport à tous les autres plateaux où j'ai pas vu de trucs vraiment insane comme ça quoi, tu vois. Alors moi c'est moins un jeu où je joue vraiment pour gagner ou perdre. Il y a des parties où c'est injuste de gagner, des parties où c'est injuste de perdre. Ouais. Des différences de niveau ça se voit. Un bon joueur contre un moins bon joueur il gagne. Ouais. Même un joueur correct. Hein. Ouais. Après, oui, des fois il peut y avoir un écart un écart un peu injuste. Moi, ça me choque. Mais sur ce plateau là, tu le donnes à deux joueurs qui connaissent très bien le jeu, il va systématiquement avoir un avantage. C'est alors possible. Que sur les autres, je l'ai vraiment pas senti quoi. C'est possible. Voilà. Mais sinon, au-delà de ça, Furland encore un taf de fou. Ils mettent du temps à sortir les jeux, mais bon. Ouais, puis il voilà, y a pas quoi. L'effet Kickstarter de date de sortie annoncée ouais. où ils ont dû s'y tenir et je pense que ça joue aussi. Ouais, ouais, ça joue. Que, mais de toute façon, ils l'ont sorti quand il était prêt. Ouais. Et ça, malheureusement, c'est quand même plus la norme. Pour finir, voilà, on a des petites infos, vite fait quoi. En gros, il y a une extension qui sort fin de l'année, avec pas de nouvelles mécaniques, mais des nouvelles cartes. Donc, est-ce qu'il va y avoir une spécialisation des nouveaux types d'animaux? Moi, je pense que oui. Toi, t'as entendu Aquarium, mais t'es pas sûr de toi. Il me semble que j'ai vu qu'il y avait une extension qui allait s'appeler Aquarium sur Facebook. Ok, donc voilà. Probablement ça serait ça là, et du coup peut-être avec des animaux marins et tout, ça pourrait être rigolo. En tout cas, je pense que... Ouais. Si, parce que j'ai vu une discussion en disant qu'il n'y aurait pas d'orques et pas de dauphins, comme il n'y a pas de orang-outan dans celui-ci. Ou d'accord, ok. Genre, ouais. Marrant. Donc voilà, principalement des nouvelles cartes, pas de réelles nouvelles mécaniques. Par contre, ils bossent sur une grosse extension pour l'année prochaine, avec des nouvelles mécaniques. Moi, je croise très fort les doigts pour que ce soit un plateau central. J'aimerais beaucoup un zoo central. On espère aussi des nouveaux objectifs de fin. C'est peut-être la partie un peu bancale, entre guillemets. Ouais, qui est un peu bancale, qui est un peu faible et qui est pas toujours très équilibrée. Ouais. En fait, je la trouve bizarre parce que, par exemple, les projets de conservation, faire 6 projets de conservation face à quand tout le monde s'est joué à la table, t'as pas le temps, les gens gagnent avant. Ouais, c'est très chaud. Ouais. Alors que monter à 12 en sciences, tu montes à 12 en sciences si tu veux monter. Ça se fait. Ça se fait. Ça se fait. Et ils sont pas tous à moi, les pires, je trouve, c'est vraiment ceux avec les icônes rochers ou lacs. Ouais, vraiment, ça moi j'arrive jamais. Mais même sur les sponsors, j'arrive jamais à tu peux pas jouer en fonction de ça en fait quoi. Alors après, c'est pas très grave d'ignorer tes objectifs de fin. Parce que le fait de se dire j'ai un plan de jeu qui marche bien avec un beau moteur, du coup moi, je les regarde même pas fin, au début. Ça hein. se fait. Moi je les regarde, ça permet de par curiosité, non, tu mais vois. Ça permet mais... de trancher tes choix. Ça... Moi c'est plus vraiment les projets de conservation que je regarde au début quoi. Moi je regarde un peu. Le but c'est d'avoir un plan de jeu de départ en général. Si t'as rien pour monter un moteur, faut réfléchir à comment tu vas pouvoir le monter. Ouais. Bref, on digresse alors qu'on est à la conclusion. Oui, c'est ça, c'est un grand classique. Voilà. Mais du coup, voilà, les extensions arrivent. Le jeu, a priori, est un gros succès. Je sais pas aux États-Unis si c'est un aussi gros succès. En tout cas, sur BGG, c'est, voilà, c'est déjà top stratégie et tout. Donc voilà. Et puis, si, dernier point quand même sur lequel moi j'insiste vraiment, qui me marque vraiment, qui m'a fait le même effet que sur TFM, c'est qu'on sent. Le premier jeu d'un créateur qui a voulu faire son jeu, absolument, tu vois, quitte à ce que ce soit le dernier, qui a pris le temps de le faire, et c'est pas un jeu de créateur qui en vive, entre guillemets, où il faut qu'il sorte des jeux régulièrement, tu vois ce que je veux dire. Du coup, le fait d'avoir ce temps de vraiment se poser des questions de quel jeu je veux faire par passion, avec quelle thématique et ce genre de choses, ça se ressent vraiment ici, et le mec est vraiment un passionné de Zoo, c'est un ex-joueur pro de Magic aussi, donc il y a tout un tas d'éléments qui font que y a une âme, en fait, quoi. Qui est un peu difficile à décrire de manière différente. Ouais, parce que en moi, fait. C'est pas purement le terme, hein. C'est vraiment dans la mécanique de jeu, c'est vraiment un tout, c'est un jeu qui est complet. Ouais. C'est un jeu. Donc voilà, moi je pense vraiment que ça va être un incontournable comme TFM. Un peu plus expert,
mais qui compense par une thématique peut-être plus abordable. Moi, j'ai été surprise par à quel point je vois plein de gens y jouer, ouais, que j'aurais pas cité comme la cible. Ouais, ouais. Parce que y a quand même beaucoup de points de règles. On peut faire des erreurs de règles, il y en a clairement. Quand même certaines qui sont un peu dommageables. Les premières parties sont longues, il y a beaucoup de cartes à lire, et la mécanique d'action, de planification, d'interaction des actions, elle est pas évidente. Pas évidente, ouais. Et mais les gens ont envie, et donc le font. Parce que quand on a envie, on y arrive, hein, ouais, globalement, sûr. À moins d'être mais le zoo, le buzz qu'il y a autour, le fait qu'on voit vite que le design est bon de manière générale, qu'il y a un flow qui est cool, voilà. Bref, voilà, je pense que là, pour le coup, ça sera vraiment ma dernière visio sur Ark Nova avant les extensions. Parce que là, je crois qu'on a absolument tout dit. Et si, oui, le dernier truc qu'on disait, c'est est-ce que ce jeu remplace d'autres jeux? Parce que oui, bah, comme il y a une grosse hype, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il écrase tout le reste. Alors déjà, il y a un côté période, bon, parce qu'actuellement on est quand même plutôt en période creuse. Ouais. Pour les jeux de ce calibre-là, c'est pas les dates de sortie. Là, il y a quelques jeux qui commencent à arriver quand même. Moi, je me suis un peu calmé, j'ai ma grosse période, mais je me suis un peu calmé, mais j'y joue régulièrement. Donc non. Hein. Moi, j'y joue tout le temps. Bah, en fait, c'est le jeu qu'on sort facilement en fin de soirée aussi, à deux. Après, on a les durs de durs, donc en général, c'est pas le jeu qu'on prévoit pour la soirée. Ouais. Mais on fait un gros jeu, ensuite on fait un ou deux petits jeux, puis ensuite tout le monde va se coucher, sauf le dernier qui serait fait un petit Ark Nova. Bah, Ark Nova, nous c'est 1h15 installation arrangement compris. Ouais, bah, une fois en moins de 3h30 on a fait 3 parties. Pas mal. Bon bah, je crois que sur ça on peut s'arrêter après, après cet exploit incroyable, record à battre. on salue Bast qui aime beaucoup les discussions sur les temps de jeu. Donc cette fois on conclut vraiment, donc n'hésitez pas à réagir et puis voilà, c'est pas un concours du nombre de parties mais on trouvait ça intéressant d'en discuter avec une perspective un peu différente et vous aurez une perspective qui va évoluer aussi au fur et à mesure des parties, surtout les gens qui l'ont eu en VF. Des bisous et voilà quoi, à la prochaine extension d'Ark Nova. Et peut-être Alice reviendra à ce moment-là. Peut-être avant, on sait pas. On sait pas, on verra. Des bisous, ciao. Salut.